Chers amis, amis internautes, chers téléspectateurs, bienvenue, bienvenue dans votre émission Espace Dialogue. Avec moi, Josué Boloa, l'international, lors la réflexion et la connaissance se rencontrent. Je suis très ravi de savoir que vous êtes très nombreux. Yakopé Sabiso Batansu Nabino. Merci à de choisir ce site www.congodialogue.com. Grand merci à celui qui est derrière la caméra ainsi qu'à la réalisation, Jean-Marie Poupa, hein, le vétéran et puis chasseur de l'image ici en Afrique du Sud. Cette émission est diffusée ici au niveau de Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, hein, n'est-ce pas, parlant de l'actualité, les discours de Monsieur Joseph Kabila, n'est-ce pas, les discours de Monsieur Joseph Kabila au niveau de la RDC, au niveau de Kinshasa. Quelle est votre réaction? Je crois qu'il y a tant d'autres personnes qui en ont déjà parlé. Son discours, est-ce que c'est un message ou comment? Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur le Président Kilele, qui aura aussi à donner son impression. Nous aurons aussi parlé un peu de notre... Monsieur Boketua Yambo, n'est-ce pas, qui va menace parce qu'il a parlé sur MLC, Bogo Kapé réaction naïe, hein, monsieur qui l'a copé, c'est super réaction naïe. Nous allons aussi parler aussi de comptes à rendre, hein, n'est-ce pas, ceux qui sont élus par la population congolaise, ils n'ont jamais, ils doivent rendre compte à la population congolaise. Maintenant, quelle est la suite? Ils ne rendent pas compte. Nous allons aussi développer avec M. Kilele. Il a reçu un appel venant des États-Unis, qu'il est sélectionné parmi les gens qui devraient être président de la diaspora. Vous allez aussi suivre sa réaction et tant d'autres réactions. Nous allons aussi répondre à un de nos téléspectateurs par rapport à la réaction de M. Kilele. Il a essayé un peu de taquiner M. Félix Tshisekedi, mais la question serait posée, est-ce que M. Kilele a raison? Quand il parle de Félix Tshisekedi, il parle de Jean-Pierre Bemba ainsi que d'autres opposants. Est-ce que nous avons réellement des opposants au niveau de la RDC? On est un peu bamini oyotokoloba interview na monsieur Kilele. Sans plus tarder, après cet élément, je vais recevoir mon invité, le président Kilele. Vraiment, restez branchés, sous l'aussi participe à cette émission. Vous êtes la bienvenue, ba numéro que vous allez bientôt afficher dans votre petit écran. Réaction à Bino comme d'habitude, n'est-ce pas? Et vous êtes toujours la bienvenue. Rappelez-vous, les propos émis toujours dans cette émission engage que mon invité, n'est-ce pas? Alors moi, c'est José Boloa. Restez connectés, branchés. Merci. Mbote na bino nyoso bana mboka o bozali libanda ya Congo na diaspora bozape na kati ya RDC bokozali baku ya kolanda biso au travers émission Oyo Espace Dialogue bisikani ni connaissance na réflexion écoutanaka. Merci na tant bozo pesa biso ya kolanda ka biso tant nyoso ya ko choisissaka site Oyo ya ba bonne manière congodialogue.com et puis na YouTube ezali Congo Dialogue. Merci na Jean-Marie Poupa oyazali sima ya caméra. Voilà, ma tondo pe na ndeko Jean-Marie Poupa azali sima ya technique wa simi bilili pe simi réalisation d'émission oyo. Toli pe ko pesa ma tondo mingi na ndeko Francine Ngembe azali coordinatrice ya site oyo na niveau ya mboka de Belgique. Toli nga pe ko pesa pe mbote mingi na ba oyo bazolanda biso na niveau ya Tshabunda kuna na niveau ya Est. Wana na kanisi ndeko Edi et puis ndeko James Nzambe vraiment apambola bino pona musala bozali ko sala. Voilà, lelo lisusu to na ba petit écran juste tout réfléchir ma moke concernant l'actualité chaque jour toujours ezala kaka RDC makambuya ra toujours koya mais moboko ya likambuya lelo eza réaction ya ba congolais par rapport ya discours oyo ndeko mwana mboka Joseph Kabila auta ekopesa biso le 19 bomoni ndenge nini nayebi ke eza na batebele bazoko réagir mais biso pe leo na kati ya Afrique du Sud awa tolinga koya kotia micro na biso na excellence de professeur Kilele oyo chaque fois ceux qui information ezali apesa kapé biso ba clarté mususu na ba compréhension et puis poto e ba ndenge nini ya kosala tikana yamba invité ya mokola lelo son excellence le professeur Kilele. Bienvenue, salutations à vous monsieur Kilele. Merci et que je serre ta main. Merci et merci beaucoup sur ce plateau et salut à tous les compatriotes mbote mingi na batu nyoso amjambo sana. Merci. Voilà, merci Soussou encore une fois pour la disponibilité na yo, tolinga kozongo vraiment la légèreté en tant que homme d'affaires, en tant que mwana ya mboka et puis aux ana ba occupation mingi, au disposa toujours ta na yo pour na kopesa biso makanisi na yo. Merci encore une fois. Merci, je suis là et merci pour le plateau. Et nous allons donner notre opinion, bien que ma compatriote Mingi Basi va passer mon opinion à Mango. Je n'ai pas eu assez de temps
on a dans la YouTube ou bien Bakano Moussou sur les médias. Bon, mais j'ai appris que beaucoup de gens ont déjà donné leurs opinions, mais quand cela ne tienne, chacun a son opinion, on peut analyser différemment. Et il peut y avoir des coïncidences dans la façon de parler. Et je ne pense pas que cela peut être taxé de plagiat ou d'imitation. Bien sûr que ça ne sera pas, et je ne pense pas que ça sera une imitation, on va faire le plagiat ici, par rapport à discours qu'a livré M. Joseph Kabila. Je crois que vous avez eu le temps de suivre ce discours. C'était en direct de la RTNC et nous qui sommes ici en Afrique du Sud, on a quand même le temps aussi de suivre cela. Bon, je ne sais pas si vous aurez le temps d'aller détail par détail, mais dis-moi en grosso modo, à la fin, la phrase qui est à la une actuellement, comprenez ma passion pour le Congo. Comprenez ma passion. D'abord, il a dit, je ne veux pas vous dire que, comprenez mon émotion, comme a dit le défunt Mobutu Sese Seko, mais moi j'ai dit, comprenez ma passion. En suivant le discours en question, Monsieur le Président, en tant que aussi président, et vous aspire aussi à être président de la RDC, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces discours? Bon, je vais peut-être surprendre les gens. C'est un bon discours. Ah, ok. Un bon discours parce que c'est un discours qui a été, comme d'habitude, rédigé par des Congolais. Et qui a été prononcé par lui-même, qui est comme un perroquet. Quand nous étions à l'école primaire, nous lisions un texte où l'on parlait de perroquet, que le perroquet c'est un oiseau sauvage qui ne comprend pas ce qu'il dit. Et c'est comme ça que M. Hippolyte Kanembe. Mais au moins quelque part, ça a été un message, bien que ce soit rédigé par les Congolais, ça reflète l'inconscience des Congolais. Parce que c'est nous qui avons, ce sont nos confrères qui l'entourent, qui avaient écrit ou rédigé ce discours. Et le contenu reflète l'inconscience du peuple ou de ce qu'on appelle le leadership congolais. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que j'ai suivi le discours comme vous venez de me le demander, je l'ai suivi jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il a lancé cette phrase mémorable, comme vous venez de le dire, où il dit que la plupart des gens croient que moi je vais dire, comprenez mon émotion, mais moi je vais vous demander de comprendre ma passion. Ça a été d'abord un discours inopportun. Parce que quand on doit parler de l'état de la nation, très souvent hier, c'est une invitation qu'on fait des États-Unis. Hein. Le président s'adresse au Congrès à la fin de la session parlementaire. Bon, mais ça, je ne sais pas si c'était au début de la session parlementaire ou au milieu. Et quelques jours avant, on a annoncé que le président va s'adresser à la nation. Le président, comme on l'appelle, président. Et puis tout le monde a été surpris de voir qu'il s'adresse. Pour quelle raison? Alors que quelques jours avant, il y a eu des soubresauts, nomination de généraux, nomination des gens de la police, ceci et cela, des agents de sécurité, suivi maintenant d'un discours. Alors ça a un peu bousculé tout le monde. Et puis, malheureusement, les Congolais sont entrés dans la salle. Juste pour paraphraser le poète, l'écrivain français Jean de La Fontaine, dans une de ses fables, quand il nous dit « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Bon, Kanembe veut changer la carapace de l'agresseur pour un flatteur, en utilisant les termes « la passion ». Il vient nous dire qu'il aime plus le Congo qu'aucun autre. À ce moment-là qu'il aime le Congo, alors qu'il a agressé le Congo pendant presque 20 ans, 17 ans il est au pouvoir, il a agressé le Congo. Quand il a agressé le Congo, là il est autre. Maintenant, il est passionné du Congo. Mais le mot passion aussi est tellement dangereux, parce que la passion, c'est
c'est une surdose d'un amour. Et quand il y a une surdose, on risque soit de se tuer ou de tuer quelqu'un. Les gens qui apprennent à conduire, par exemple, quand ils sont fous de la conduite de la voiture, ben, ils peuvent marcher même si les piétons, si les innocents qui n'ont pas de voiture ou cogner d'autres voitures parce qu'ils sont passionnés de conduire la voiture. Bon, il y a aussi les Africains qui sont passionnés, qui négligent leur continent. Ils sont en désamour avec les continents africains. Ils ont la passion d'aller en Europe ou aller en Occident. C'est une autre passion, oubliant ce qu'est-ce le continent ou ce que le continent contient. Bon, le discours nous a tout dit que le type ne veut pas partir. Mais, comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas Kabila, ou soi-disant Kabila, entre guillemets, ce n'est pas Kanembe qui ne veut pas partir. C'est nous, les Congolais, qui ne voulons pas que Kanembe parte. Parce que ce n'est pas lui qui a rédigé les discours. Ce sont les Congolais qui ont rédigé les discours et qui sont contents de la situation chaotique actuelle et qui tirent les ficelles derrière et qui se réjouissent des dividendes de la situation chaotique d'occupation, de l'humiliation et de l'exploitation du Congo et du peuple congolais. Donc ce n'est pas lui, c'est nous, c'est une auto-occupation, si je peux ainsi forger l'expression. Ce sont les Congolais qui s'auto-occupent, parce que ce sont eux qui rédigent ce discours et qui tiennent Kanembe dans leur ficelle. Kanembe, quelque part, est prisonnier de l'égocentrisme d'une clique des Congolais qui, peut-être, à l'époque de Mobutu, ne se sont pas trop réjouis du système. Et maintenant, ils voient qu'ils ont en face d'eux un étranger qui, quelque part, est ignorant et qui est content d'être président, lui qui jamais ne pouvait espérer un jour d'être président dans un pays si grand et si riche que le Congo, et voir des intellectuels, soi-disant intellectuels, des hommes plus âgés que lui, qui viennent s'agenouiller devant lui. Alors il se dit, bon, je suis un petit Dieu. Alors ça va, laissez que ce sont eux qui veulent que je sois là, c'est pas moi. Parce que j'ai déjà eu tout ce que je voulais, que je n'avais pas dans la vie, je ne pouvais jamais retirer. Mais il veut que je sois là-bas, tant pis, tant mieux pour lui. Donc c'est une auto-occupation. Et ça reflète le niveau de raisonnement et de manque de nationalisme du Congolais à travers le monde, qui reflète les Congolais, présente les Congolais comme étant une espèce rare politique, une espèce humaine très rare qui refuse de comprendre ce qui lui arrive. Parce que chez nous, c'est la catastrophe. Mais il y a une cabale de gens qui sont contents de cette catastrophe et qui maintiennent l'occupation devant nous au détriment de la majorité. Donc, le discours, ironiquement, a été bon. Parce que ça présente le Congolais comme étant un inconscient. Alors, Kanembe, lui, n'est venu que lire parce qu'on veut qu'il lise. On veut qu'il lise. Alors, il nous flatte un peu et il continue sa présidence parce que nous voulons qu'il soit là. Parce que si la clique de Congolais était nationaliste et voulait que ce type parte depuis longtemps, mais il partait. Depuis qu'ils avaient tué Laurent Désiré Kabila, depuis qu'ils étaient entrés. Mais ils ont voulu manger. Raison pour laquelle. Donc, ce n'est pas la faute à ce type, c'est la faute à nous. Nous sommes les auto-occupants. Nous sommes les auto-occupants, monsieur Kilele. Waouh, c'est une réflexion qui, parmi le Congolais qui nous suivent, qui vous suivent en ces temps ici, ne pouvait pas y penser.
que nous sommes des auto-occupants. Nous disions que ce sont plus les Rwandais, les Ougandais, ce sont eux qui occupent notre pays. Et pourtant, nous avions oublié que ce sont nous-mêmes qui donnons l'accès à cela. Notre question serait, Monsieur le Président, on ne voit pas la réaction des appelant des opposants qui sont sur place au niveau de Kinshasa, au niveau de la RDC tout entière. On ne voit pas leur réaction avant la nomination des généraux, tout ça. Le discours est fait et après les discours, bon, on s'est dit où sont partis les opposants. Ben, vous savez ce qui s'est passé après les discours. Après les discours, il y a eu des gestes un peu inhabituels. Il a serré les mains de certains. Il a serré la main de son petit frère, je ne sais pas si Zoé. Il est allé embrasser sa tante qu'on présente comme étant sa sœur. Une tante, une sœur qui est plus vieille que lui. Et puis il a serré les mains, il a échangé une poignée de mains avec d'autres gens. Et puis il y a eu une fête. Alors on doit se demander pourquoi on est allé sabrer les champagnes et on est allé danser. On a même vu que la femme du soi-disant président est allée ouvrir le bal avec le chef ou le président du Sénat. Eh bien, métis, c'est un bon mariage, que voulez-vous? On n'a pas voulu lui choisir une autre femme qui est noire, il fallait qu'on lui choisisse une femme métisse. Bon, quelque part, ça donne, scientifiquement, si l'on peut analyser, les aspects d'un adieu, comme quelqu'un qui interpréterait la Bible, et le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples. Bon, ça présage comme s'il partait, mais quelque part il ne part pas. Il est allé se réjouir avec des gens, ils ont bu, ils ont mangé, et il n'y a pas eu de réaction de soi-disant, comme tu le dis, des opposants. Bon, plusieurs fois nous l'avons dit qu'il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'opposants au Congo. Bon, s'il y en a, là-bas sur le terrain, peut y en avoir un ou deux. Et pas ceux-là qu'on présente comme étant des opposants. Les gens de MLC, les Fidel Babala, les Denis Essanga, et les autres que nous connaissons, et celui que le leader PES veut présenter aujourd'hui comme étant le futur président, les fils du feu Étienne Tshisekedi. Ces gens-là ne sont pas des opposants. Juste pour biaiser dans ce type-là, parce que j'ai toujours eu des critiques, et des attaques, et moi j'attaque leur poulet, monsieur le poulet, monsieur. Et les discours, tout ça. Et, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée là-dessus, un commentaire à faire, une réaction? On voit monsieur le président du Sénat danser avec. Mal de danser avec la femme de quelqu'un. Hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Si moi je te donne ma femme pour danser avec elle, bon, c'est ma volonté. Sauf que cette façon de scinder le rein de la femme de quelqu'un et d'être plus près, le corps à corps avec, ça, ce sont des gestes qui se passent entre un couple, entre deux amoureux, parce que on sait que si les bustes se touchent, il y a l'excitation sexuelle. Et alors, nous savons aussi qu'à cet âge-là, mais si les Rwandais polonais, les Rwando-Polonais Ken Wadondo, je ne pense pas qu'ils soient sexuellement forts comme moi, comme toi, comme lui, malgré les attouchements, qu'il soit sexuellement fort pour être excité par la ligne de femme de Hippolyte Kajambere Kanambe. Parce que Liv Lembe n'est pas la première dame. Hein. Nous connaissons que la première dame, c'est une Rwandaise. Et puis, il y a une autre dame qui se trouve au Zimbabwe, que nous connaissons très bien, qui fut la femme d'un journaliste au Zimbabwe. Bon, sans doute, il est libre d'avoir 3, 4, 5, 6 femmes. Aussi longtemps qu'il est nourri, il n'y a pas de problème. Mais alors, c'est un peu suspect. Décéder sa femme
au cours d'un bal dansant comme ça, et pour que quelqu'un puisse embrasser ta femme. Le sang de la femme touche ce type-là, et le niveau de la hanche, mais écoutez, il y a de quoi... C'est tellement névralgique. Et puis cela démontre l'intimité ou la relation forte que la personne a à une autre personne. Parce que céder la femme, céder ta femme à une autre personne, et dansant avec la femme, tout en étant serrant comme ça, il faut qu'il y ait des intimités là-dessus, monsieur le président. Tout à fait, c'est vrai. Et puis aussi, il faut comprendre qu'Anembe, ce n'est pas une personne normale. À l'époque de Mobutu, on voyait Mobutu danser. Feu président Mandela ici danser. Ne parlons même pas de Jacob Zuma et des présidents Thabo Mbeki. Et qui dire de feu Boris Yeltsin de la Russie. Ils expriment quand même l'humanité, que ce sont des êtres humains, ils ont l'émotion, ils doivent le faire. As-tu déjà vu, peut-être, as-tu déjà vu Kanembe danser? Peut-être il avait honte qu'on le voie aussi danser. Peut-être il danse dans les coulisses, dans les bunkers. Bon, je le vis là assis, bon, avec un regard rébarbatif, tellement hagard. C'est comme s'il disait qu'il allait mourir ou je ne sais pas, il allait partir. On ne sait pas ce qui se passe derrière ça. C'est peut-être la fin de ce règne, ce qui est mieux, ce qui est souhaitable. Et c'est aussi... une façon de pouvoir juste remercier les idiots utiles qui étaient dans la salle pour dire bon, nous avons floué la population et qu'on continue à faire comme ça, continue à danser. Moi, je me repose un peu là où je suis. Et voilà, ma femme, tu peux aller danser comme tu es congolaise, tu peux danser parce que les Congolais, c'est la musique d'abord et la religion. Aller danser pour me représenter parce que, après tout, moi, je ne suis pas congolais. Quelqu'un dirait qu'en faisant, en analysant cette danse, hein, chers téléspectateurs, vous êtes bienvenus à commenter, à faire vos suggestions là-dessus. Si par rapport à la danse de M. Kikengo ou à Donda avec la première dame, Mme Olive Lembe, quelqu'un dirait que c'est la même personne Kengo Adonda a dansé avec Bobila Dawa à l'époque. Tu voudrais me faire dire que Kengo Adondo est sorti avec Mama Bobila Dawa et puis maintenant il sort avec la femme de Kanembe. C'est possible. Hein? C'est tricky. Hein? C'est possible parce que ce sont toutes des métisses. Hein? Bobila Dawa métisse, celle-ci métisse, et nous savons que les métis sont immoraux en général. À travers l'histoire du monde, les métis sont immoraux. Nous connaissons des métis qui couchent avec leur maman. Des mamans qui couchent avec leurs fils et des papas qui couchent avec leurs enfants. Nous connaissons ça. Et ça n'étonne personne. C'est possible que... Voilà, je ne soupçonne rien, mais cela ne me regarde pas. Moi, j'ai besoin de la libération de notre pays. Et qu'elle soit la copine à Kengo Adondo ou pas, ça ne regarde pas les Congolais. Nous avons beaucoup de femmes au Congo, bien qu'on est en train de tuer toutes ces femmes là-bas. Et nous n'avons rien à envier à une dévergondée comme la femme de Kanembe, qui ne défend aucune valeur morale au Congo, ni une valeur sociale. Pour quitter le dossier en question, monsieur le président, qu'il est là, concrètement, quel est le message que vous pouvez donner à la population congolaise qui nous suit à la diaspora, en résumant, en voyant le message? Parce qu'ils doivent maintenant savoir, parce qu'on te pose toute la question. Mais ce qu'il est la prise des analyses, que devons-nous faire concrètement après les discours? D'abord, ce discours-là, tu vois, très souvent, il est difficile de faire sa propre critique, son autocritique, ou de parler de son propre bilan. C'est pas bien, c'est... Ça retrace un peu du narcissisme. Et quand tu rentres dans la légende grecque, Narcissicus, c'est une légende de quelqu'un qui, un jeune homme qui est allé se baigner dans une rivière et qui a passé tout son temps en train de se mirer sur le reflet de son image sur les lits de la rivière, et se voyant qu'il est beau, il est ceci et cela. Et il a passé toute une journée, alors les gens du village sont allés chercher, mais comment ce monsieur est allé se baigner, il ne rentre pas. Ben, au travers des herbes, on a vu qu'il passait tout son temps en train de se mirer, comme une femme, hein, comme les femmes le font devant les miroirs. Alors, c'est ce qu'on appelle le narcissisme, hein, le fait
de s'auto-aimer et de croire qu'on n'a pas fait du mal. C'était ça le discours de Hippolyte Kanamé. Mais comme je dis, ce n'est pas lui qui a écrit ça. Ce sont ses conseillers et lui n'a fait que lire ce qu'on a écrit pour lui. Président, juste un mot concret, qu'est-ce que le Congolais doit faire par rapport à cet éminent discours que nous avions reçu du venant de M. Kabila? Bon, ils doivent jeter ce discours dans la poubelle de l'histoire. Et comme mon compatriote Mbanda l'avait prôné, se soulever. Nous, nous ne devons plus parler des Congolais qui doivent, c'est nous tous qui devons nous soulever partout où nous sommes. Nous devons nous attaquer aux occupants et aux auto-occupants. On ne peut plus continuer à garder sur la tête des institutions des gens tels que Keng ou Adondo, un type qu'on a vu marcher à pas pesant comme un bébé qui apprend à marcher, et que si l'on analyse et on observe très bien, c'est quelqu'un qui doit déjà porter des couches, c'est quelqu'un qui se met à uriner dans ses habits et qui chie dans ses habits, qui doit être déjà relégué au homme de vieillard. Si c'était chez lui en Europe, il serait homme de vieillard. Alors on garde des gens comme ça qui continuent à nous persécuter. Ce type-là, on doit précipiter sa mort en les tuant. Nous devons donc tuer les occupants et les auto-occupants, ceux-là qui nous persécutent. Les Congolais, nous devons tout faire, qu'ils fuient en Europe, en Occident, partout, en Amérique ou au Canada. Nous devons les débusquer partout où ils sont, nous devons les tuer, parce que ce sont des complices à l'humiliation, à l'exploitation et à la spoliation. Donc nous devons oublier les discours de Kanamé, mais au moins c'était un discours qui nous réveille, parce que ça touche notre inconscience. Et nous devons cesser de croire que la démocratie émanera d'un dialogue, parce que Kanamé n'est pas le produit du dialogue. Et l'occupation n'est pas un fait de dialogue, c'est un fait de violence. Et nous devons être violents vis-à-vis de la violence. Bon, pour entrer dans la Bible, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Nous ne devons pas croire à la tenue des élections ou à la venue des élections, parce que ce n'est pas dans la tête des occupants et ce n'est pas dans la tête des auto-occupants. Pour eux, l'imbroglio doit continuer. Et à tout moment, ils vont évoquer l'article 70 qui dit que le président de la République va rester jusqu'à ce qu'il y ait un remplaçant. Et ils vont vous évoquer l'alinéa 2, 3, tout ça. Il y a des bons analystes de la soi-disant majorité qui vont vous dire que non, mais le Kanamé, entre guillemets, le Kanamé a dit qu'il va respecter la Constitution. Le fait qu'il dit qu'il respecte la Constitution, donc il respecte la loi. Or, lui qui veut déjà aller déposer sa candidature en tant qu'indépendant, d'ailleurs pendant les deux élections, il a toujours déposé ses candidatures comme étant un indépendant. Le fait de déposer la candidature est que on n'a plus le mandat, parce qu'il n'a jamais eu d'ailleurs le mandat. On prouve qu'on est un civique. Kanamé, c'est un civique, parce que le respect de la Constitution signifie qu'on est civique, qu'on respecte la loi, on respecte la civilité, on a le civisme, le respect des textes et des lois dans un pays. Les juristes nous en diront plus, ils vont plus développer ça. Quand on ne respecte pas le texte des lois, ça signifie qu'on est un civique. Alors, Kanamé est un civique et la clique qui l'entoure, qui lui prodigue des conseils, ce sont tous des inciviques. Et aux inciviques, ah ben, compatriotes, on doit s'attaquer à eux et les tuer. Les tuer, les brûler et les manger.
Ça, c'est le mot venant du président national congolais ici en Afrique du Sud. Chers amis, compatriotes, fidèles internautes, vous êtes branchés connectés dans www.congodialog. Vous êtes bienvenus à poster vos questions et vos suggestions.